Donc, fin d'exercice, on la question 2 de l'exercice 1. Comment trouver une base dans l'espace vectoriel UV? Bon. Enregistrer. On a une base B. On a A plus B moins C égale 0. A plus B moins C est égal à 0. Ou non. On a deux vecteurs. Soit deux vecteurs U et V. Non. Donc montrer. Allez, allez. Muni de la base P 1, 0, 1 et 1 moins 1, 0. Allez, c'est une base. On peut trouver une autre base. On a A plus B plus moins C égale 0. On a ABC, on a ABC. On peut écrire, on peut trouver un nombre important des bases. Donc, on a A. Par exemple, pardon. A plus B est égal à C. Donc, j'ai un B. Ou plus 5, c'est A plus B. Donc, c'est A est égal à A. 0 A plus 0 B B. Donc, quand j'ai A, on a B, on a A plus B. Il a avec l'oula. Donc, on a A, B, C est égal à A, 0, A. Et on a dit qu'on a donc A. Plus A, B, B. Donc, est égal à A, facteur de 1, 0, 1. Plus N a plus 0. Donc A 0 A plus 0 B B plus B facteur de 0 facteur de 0 1 1 donc A c'est une base donc B prime B prime est égal à 1 0 1 0 1 1 A c'est une base. C'est une autre base. Donc là, ouais, c'est très simple. Donc ça fait. Si on a fait un petit haja, on va faire un exercice. On va faire un exercice.